Me voici à Alex, sur la route du Villard. Alors en haut c'est la dent du Cruet et je vais me diriger vers le trou de la Chapelle. Alors si j'ai bien compris sur la carte, l'itinéraire monterait le long de cette longue croupe jusqu'au décrochement là-haut où on retrouve des prés et le trou de la Chapelle serait juste derrière. Donc là, je vais monter jusqu'au parking au-dessus d'Alex, parce qu'ensuite je vais redescendre par un autre itinéraire de l'autre côté en fait. Au Villard dessus, la route goudronnée s'arrête et après il faut suivre chemin des Dents de l'Enfant. Alors il y a plusieurs parkings, suivant la voiture qu'on a, il vaut mieux s'arrêter en bas. Sinon on peut se garer beaucoup plus haut, mais en ce moment il y a de l'exploitation forestière. Donc là je me suis arrêté au pied d'un petit sentier qui redescend et qui devrait traverser le ruisseau un peu plus loin pour aller sur l'autre versant. Le sentier traverse le ruisseau à gué, au bout d'une centaine ou de 300 mètres plutôt. Puis il suit pendant un petit moment sur sa rive droite en descendant. Ça fera ça de moins à descendre ce soir. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec un petit sentier qui part à droite et que je vais emprunter pour remonter de l'autre côté. J'ai voulu grimper direct dans la forêt, alors ça grimpe bien et puis raide, c'est pas mal, jusqu'à ce que je tombe sur une exploitation forestière, et là pour traverser, ça n'a pas été facile. Donc je déconseille. Un peu plus haut, j'ai retrouvé un sentier. Je vais le prendre vers la gauche en espérant qu'il me mène là où je veux. En fait, j'arrive tout de suite à une route forestière que je vais prendre vers la gauche parce que là je suis un peu trop à droite, je pense. J'arrive vite sur la bonne route apparemment, donc je vais suivre ce chemin-là en montant. Juste au-dessus, suivre la Rochette, petit sentier qui part à droite. Le sentier est balisé par des losanges bleus. Le sentier est évident jusqu'au chalet de la Rochette dessous. Ensuite, il faut se diriger vers la Rochette dessus. On arrive à l'alpage de Rochette dessous, où on traverse nettement vers la gauche au pied d'alpage. Puis on revient nettement vers la droite. On arrive à une petite source et un rocher où il y a un fléchage bleu. Si en début de saison le sentier se perd dans l'alpage, il faut suivre nettement à gauche de l'alpage en bordure de forêt. Et on va tomber sur un petit sentier
qui descend dans la forêt. Donc il y a deux petits poteaux qui délimitent l'entrée du sentier au cas où il y aurait des vaches, avec quelque chose pour accrocher le fil ici. Voilà. Ne pas monter jusqu'au bosquet de sapins ou d'épicéa qui est juste au-dessus. En fait, c'est 100 mètres en dessous du bosquet. Le sentier, qui est un petit sentier forestier bien glissant, commence d'abord par descendre. Il traverse des ravines apparemment. Là, j'ai passé la première. Depuis le départ, c'est un chemin qui est très forestier. Tout l'itinéraire est forestier quasiment. Donc on a intérêt à le faire en juillet-août quand c'est bien sec. Deuxième petite ravine. Bon, ça peut aller, c'est pas trop délicat quand même. Après les ravines, ça devient un petit sentier bien sympathique, acrobatique aussi. Bon, pas très difficile, mais faut être prudent parce que en dessous, bah, on a vite fait de glisser. Déjà, me disais-je, on arrive presque par surprise sous un grand porche en vue d'une grosse grotte. Alors je pense que c'est ici. Me voici donc dans le trou de la chapelle. C'est énorme cette voûte là. Il y a une autre entrée juste un peu au-dessus. Alors je pense qu'il faut aller dans le trou. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas de lampe de poche, j'espère que ça va aller. Me voilà donc dans le tunnel, alors il fait un peu nuit. Va vers la lumière. Les yeux finissent par s'habituer un tout petit peu, mais bon, je pense qu'une lampe, c'est pas mal quand même. Bon, sinon c'est pas long, hein. Faut juste faire attention où on met les pieds. Ah, je comprends pourquoi ça s'appelle le trou de la chapelle. En fait, je conseille d'attendre quelques minutes, les yeux fermés. Et ensuite, on voit beaucoup mieux. Et puis, on est assez vite sorti, en fait. Et voici la sortie. Belle entre. C'est jalonné en rouge par ici. Eh ben, c'est un vrai gruyère dans le coin. Faire attention de ne pas tomber dans les trous. Tout de suite à la sortie, ou presque, c'est indiqué direction le Lindion. C'est le chalet qui est situé dans l'autre vallon en contrebas. Le sentier remonte un petit peu à droite sur l'arête, boisée. À un moment, on a un aperçu sur la dent du Cruet qui, décidément, de ce côté-là, me paraît bien inabordable. On arrive très vite au passage
de descente de l'autre côté. Alors bon, bah, il y a une corde qui est tendue là. Mais bon, c'est une corde, hein. Donc il faut toujours être méfiant. En fait, c'est impressionnant, mais c'est facile. Les prises de main, qu'elles soient dans les rochers ou sur les racines d'arbres, sont évidentes. Les prises de pied sont confortables. Bon, j'ai pas touché une seule fois la corde. Je me suis tiré une fois sur la chaîne pour arriver en bas, pour pas sauter, mais bon, c'est très facile. Pareil pour la petite traversée de vire qui suit. Pas besoin de la corde, hein, ça peut juste servir d'un petit assurage si on a une longe. Allez, ça poursuit. Jolie vue sur le vallon en dessous. Et sur toute la chaîne des Aravis, ça c'est magnifique d'ici, hein. À travers les arbres là. Et puis là-bas, bah, y a même le Mont Blanc. C'est très beau. En contrebas, le vallon du Lindion est très beau. Et en face, l'arête Couturier est d'un plus bel effet là. Tout au bout, bah, c'est la Tournette évidemment. Mais cet endroit est magnifique, hein. Encore un petit passage rocheux en désescalade facile. Faut juste faire attention parce qu'en dessous c'est raide et puis il y a quelques barres, hein. Donc prudence. Réservé aux randonneurs expérimentés. Et hop, un toboggan bien glissant. Donc là aussi, hein, c'est préférable de venir quand c'est bien sec. Alors attention, c'est l'endroit le plus délicat depuis le début du parcours. Ça se fait sans toucher la corde, mais il faut bien assurer ses pas. Et c'est pas fini. Alors attention, prudence, prudence. Très dangereux ici. Alors ce passage-là, difficile de faire autrement que de tenir la corde. Donc danger. Alors à la montée, ça doit aller tout seul. Par contre, à la descente, ben, on a vite fait dripper. Voilà, là, ça s'agit. Bien, ben voilà pourquoi il faut être prudent. On descend dans cette face-là. Donc, toute chute ne pardonnerait pas. Bon, là maintenant, c'est un sentier bien sympathique qui va passer dans la forêt. Le sentier a tendance à se perdre un peu dans la forêt, donc il faut bien le suivre. Ensuite, on arrive un peu dans un bout d'alpage là. Alors attention, que ce soit en forêt, dans l'alpage, sur le sentier ou à côté, c'est très glissant. J'en sais quelque chose, je me suis retrouvé sur le derrière. Même en coflac. Me voilà maintenant sur le GR, je pense, que je vais suivre en remontant. Beau chemin. Les marmottes préfèrent le soleil. Moi, je suis à l'ombre et je me caille. Il y a quelques marmottes et un chamois par ici. Sympa ça. Court bien lui.
Ah, il va peut-être pas aimer la clôture électrique. Comment il va faire? Me voici arrivé au lieu dit Crêt des Tervelles. C'est un petit col en fait, d'où on a une belle vue sur la Tournette. Et en face aussi. Là, c'est la dent du Cruet qui semble très accessible, mais bon, là, c'est un peu tard déjà. Du coup, je vais aller à la pointe de Talamarche qui est pas loin. Très sympathique ce petit sommet de Talamarche en fin de compte, avec une traversée d'une petite crête très jolie, très ensoleillée. Un peu rocailleuse, mais c'est ce que j'adore. Là-bas, on voit l'extrémité du Parmelan. Tout au fond, bah, là-bas, il y a Soudine, Roche-Parnal. Le Lachat de Thônes. Là-bas, au fond, ça doit être le Jalouvre et Pointe-Blanche, je pense. Avec le col de la Colombière. Tous les Aravis évidemment, le Mont Blanc, le Charvin, tiens, la Tournette qui est très, ça change vu d'ici. Beau sommet quand même, hein. Là-bas, bah, c'est les Bauges, je connais bien. Et hop, on plonge vers le lac. Que c'est beau. Là, c'est le grand col des Frettes. Au pied des Dents de l'Enfant. Des beaux cols. Qu'est-ce qu'on est bien au soleil. Il a fait froid toute l'après-midi et là, si je pouvais y rester. En dessous, on aperçoit les chalets de Larrieux. Plus à droite, dans la combe, les chalets de Lopriant dessus, où il va falloir que je passe en fait. Et de l'autre côté, côté Dent de l'Enfant, c'est les chalets de Lopriant dessous, où je vais passer aussi après. Du col des Frettes, il y a un sentier que je voulais reconnaître aujourd'hui, alors je pense pas le faire là, mais qui normalement passe au pied des Dents de l'Enfant. Voilà, petite reconnaissance vidéo. Je me suis retourné. Et je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Le sentier qui descend vers Lopriant à travers l'alpage est très joli. Les chalets de Lorient dessus. Arrivé en bas, ben, il n'y a plus qu'à aller vers la droite, prendre le sentier qui descend vers Alex. Ah,
par apparente jaune en plein soleil, c'est joli. Juste au-dessus du col des Frettes, où souvent ils font des touch and go. Il y a du monde là-bas. Ah ben c'est des chamois. Hein. J'en ai vu tout un troupeau, mais ils se cachent. Hein. Dommage qu'on soit à l'ombre, il est tard là. T'es chouette toi. T'as moins peur que les autres. Ah, puis ça se bagarre en plus là. Oh. Se calmer là les petits. Ils sont rigolos. Chouette ça. Il s'énerve. Ben, c'est moi qui l'énerve, je pense. Il saute, il tape du pied. Est-ce qu'il va le refaire? Eh oui. Ça doit être un mâle dominant. C'est un bel animal là. Alors, où sont les autres? Ils sont là. Le chemin qui descend depuis l'Opriant est très désagréable. Et en plus, depuis le deuxième chalet, il est très pentu par endroits. Ici, c'est le parking où habituellement on se gare. Mais bon, cette fois, vu les exploitations forestières, les engins qui sont passés, j'ai pas pu y monter.